Bonsoir tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle tablette sur la chaîne. Aujourd'hui on parle Dodgy, on parle T10 Pro. Alors il y a déjà quelques temps on avait testé la T10 sur la chaîne. Et c'est vrai que juste avant de commencer la vidéo, j'étais en train de superposer un petit peu les deux tablettes. Et je jouais au jeu des 7 différences. Alors spoiler alerte, il y en a moins de 7. Je les ai pas comptées exactement mais il me semble qu'il y a moins de 7 différences entre la T10 Pro et la T10. De toute façon, on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Bien sûr, avant que celle-ci commence, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous vous installez tranquillement, vous mettez un petit like, ça mange pas de pain, ça fait plaisir. Un petit commentaire, je vous répondrai. Et puis bien sûr, on est parti pour l'unboxing. Allez, c'est parti pour déballer cette tablette Dodgy T10 Pro. Et comme d'habitude, on fait ça dans les règles de l'art. Une petite entaille juste ici, une autre juste ici. On va recevoir ça dans une boîte plutôt classe, plutôt sobre. Ça, ça fait plaisir. On le voit ici, on est sur une version 256Go avec 15Go de RAM, dont 8 physiques et 7 virtuels. On est bien sûr sur le modèle T10 Pro et on déballe ça bien gentiment. Très bien protégé, ça, ça fait plaisir. La dernière fois, je ne suis pas sûr. Là, par contre, j'ai un trou, mais il me semble que la dernière fois, on avait un clavier avec la T10. Alors, est-ce que c'est une option que Dodgy m'avait envoyé en plus ou... Je sais pas, on va voir ça. On va voir s'il y a un clavier sur celle-ci. Et ben, visiblement, il n'y a pas l'air d'avoir de clavier. On a une housse. On met la tablette de côté, bien évidemment. On va avoir de la paperasse, dont le manuel de l'utilisateur, qu'on va poser juste ici. Le petit outil pour insérer une carte SIM. Le papier de garantie. Alors, par contre, je comprends pas bien, puisque sur la fiche technique, sur le site, il y a marqué qu'on est sur un chargeur 18 watts. Là, visiblement... On a un chargeur 24 watts, on va pas s'en plaindre. Un fil USB vers USB-C et un stylet, on connaît. D'un côté, voilà, on a le stylet bien sûr classique pour naviguer sur la tablette. Et de l'autre côté, on a un stylo. Et voici ce que donne au complet l'unboxing de cette tablette Dodgy T10 Pro. Je vous propose de mettre tout ça de côté et de se focus sur la tablette. Alors déjà, on va la déballer avec un petit papier de protection. Ok, voici la bête. Ça y est, je suis déjà en train de foutre mes grosses traces de doigts dessus. Donc on a une housse en silicone très basique, hein, avec bon, une petite cover revêtement un peu très doux. Au niveau de la couleur, elle est magnifique, genre rose gold, elle est vraiment géniale. On va avoir sur le dessus l'encoche pour pouvoir insérer la carte SIM et la carte micro SD, puisque celle-ci va pouvoir s'étendre en espace de stockage jusqu'à 1 Tera en micro SD. On peut le voir avec les deux enceintes en dessous de la tablette qu'on va être sur un son stéréo. On a les objectifs derrière la caméra, bien sûr, ceci, on y reviendra un petit peu plus tard. On a deux boutons sur le côté, donc un bouton volume plus, volume moins. Et ça, j'imagine que c'est le bouton de démarrage de la tablette qu'on va faire ensemble. Vous le voyez, on a une protection sur la tablette que je serai d'avis de laisser. Alors souvent... On a une protection un petit peu bleutée qui va venir dénaturer les couleurs de l'écran. Pas ici, elle est totalement transparente. Donc ça pose aucun problème. Alors bien sûr, on va pouvoir venir choisir la langue en français. Si vous le voulez, vous allez pouvoir insérer votre carte SIM. Moi, je vais ignorer cette étape. On va bien sûr la connecter à notre réseau internet. On a connecté notre tablette à internet. On va choisir notre moteur de recherche. Je vais prendre Google. On va pouvoir définir un code pour déverrouiller la tablette. Je vais ignorer cette étape. Et donc, nous voilà sur l'interface de notre Dodgy T10 Pro. Alors déjà, comme d'hab, on va aller faire un petit tour sur la surcouche au niveau de l'écran. Il n'y a pas grand chose et c'est tant mieux. Hein. On va avoir bien sûr Google, Gmail, Maps, Drive, YouTube Music, les photos, l'assistant, l'appareil photo, bien sûr, le Play Store, YouTube, Google, les contacts, les SMS, les dossiers, la radio, la calculatrice, l'agenda, Google TV, un magnétophone. Donc un petit peu, voilà, tout ce qu'il y a de plus basique sur une tablette ou un téléphone Android. On va faire un petit tour dans les paramètres. Donc on peut voir qu'on a le Bluetooth. On a les données mobiles, si on insère sa carte SIM avec un forfait, on a le mode avion, on a la rotation automatique, la lampe de poche, enregistrement de l'écran, économiseur de batterie, on a bien sûr l'éclairage nocturne, ça c'est très pratique. Moi perso, je mets toujours mon affichage comme ça quand je suis sur mon téléphone le soir, donc comme ça voilà, ça évite vraiment, ça évite de se faire mal aux yeux. Bien que cette tablette soit certifiée TUV, donc anti-lumière bleue, ça va nous faire du bien pour les yeux. On va bien sûr avoir un point d'accès si vous voulez partager votre connexion. Alors première différence entre la T10 et la T10 Pro, ça va être au niveau de la luminosité. Sur cette T10 Pro, on va être à 320 lumens, alors que sur la T10, on est à 300. Ça ne se joue pas à grand chose non plus, mais c'est une différence qu'on peut noter. On va aller un petit peu plus en profondeur dans les paramètres de la tablette. Donc bien sûr, on va avoir ses réseaux et internet, les appareils connectés, applications, les notifications. On va avoir un gestionnaire de batterie, l'espace
place de stockage, vous pouvez voir qu'on est à 256 Go. Alors là, tout de même, avec ce que Doji ont installé à l'intérieur, avec l'OS, avec, bon, avec tout ce qui est un petit peu installé, la surcouche, même s'il n'y a pas grand-chose, on a déjà 17 Go de bouffée sur les 256. Donc au final, on se retrouve avec 239 Go. Voilà, au final, vous le voyez, c'est le système vraiment qui prend 16 Go. Après, les applis vont prendre, vous voyez, même pas 1 Go. Je vais enlever le délai de mise en veille. Voilà, je vais le mettre, voilà, 30 minutes, c'est bien, voilà. C'est histoire, voilà, histoire que l'écran ne s'éteigne pas pendant la vidéo. On a le thème sombre qu'on va pouvoir activer. Je vais le laisser comme ça, peut-être pour la vidéo. Ce sera mieux, je ne sais pas du tout. L'éclairage nocturne, voilà, qu'on va pouvoir on peut l'activer automatiquement par exemple à une certaine heure de la journée ou quoi. L'accessibilité, affichage, interaction, audio, sécurité, verrouillage de l'écran, confidentialité, localisation, sécurité urgence, contrôle intelligent. Bon, c'est du grand classique tout ça les mecs, hein, voilà. Saisir la tablette pour la consulter, voilà. Si par exemple, hop, j'active cette option, je verrouille l'écran, normalement je prends la tablette en main. Et ben non. Eh ben si. Attendez, on va refaire un test. Ça n'a pas l'air d'être super actif. Je vais dézoomer un peu l'écran. Je prends ma tablette en main. Ouais. Ok, d'accord. C'est pas super, super réactif. Hein. Faut donner un à-coup, j'ai l'impression. Bon, on va oublier cette option. Ok, donc le contrôle intelligent, visiblement pas très intelligent. Pour entrer un petit peu plus dans les specs, cette fois-ci, on va être sur un processeur T606 Unisoc Octa-Core, cadencé à 1,6 GHz. C'est exactement le même processeur sur la T10. Au niveau de la mémoire RAM, on va être similaire à la T10, puisqu'on va être également sur 15 Go de RAM, 8 physiques et 7 virtuels. Là où la différence va jouer, ça va être sur l'espace de stockage. On passe de 128 Go à 256 Go de stockage pour cette T10 Pro. Au niveau de l'écran, on va être quasiment sur le même que la T10. Alors, au niveau du ratio, on va être un petit peu plus borderline avec cette T10 Pro qu'avec la T10. C'est-à-dire qu'ici, on va être sur un ratio de 84%. Sur la T10, on était sur un ratio de 81%. C'est-à-dire que les bords vont un petit peu plus s'affiner par rapport à l'écran. Sinon, la résolution, ça reste la même. C'est du 1920 par 1200 Full HD. On est toujours sur une diagonale de 10,1 pouces. Là où va y avoir une petite différence, comme je vous l'ai dit, ça va être par rapport à la luminosité sur cette T10 Pro. On va être à 320 lumens. Alors que sur la T10, on est à 300. Alors ça se joue pas à grand chose, mais bon, bah, c'est une différence. Alors petite rectification au niveau de l'OS, on n'est pas sur Android 13, mais Android 12. Au final, c'est le même OS que la T10. Différence avec la batterie également, sur la T10, on était sur 8300 mAh. Sur la T10 Pro, on est sur 8580 mAh. Donc ça se joue pas de beaucoup. Au niveau du poids, eh ben, bien que la batterie soit un peu plus conséquente sur la T10 Pro, on va être 3 grammes plus léger que la T10. 567 grammes pour cette tablette T10 Pro contre 570 grammes pour la T10. Bon, c'est très similaire, hein, 3 grammes, c'est vraiment du chipotage. Mais ça reste une des différences et il faut la noter. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller tester un petit game avec la tablette. On va aller chercher PUBG Mobile, qui est un jeu quand même assez gourmand, je pense, pour les systèmes Android. En attendant que notre PUBG télécharge, ce que je vous propose, c'est d'aller tester un petit peu le son. Donc on est ici sur un son stéréo, les enceintes se trouvent juste à ce niveau-là. On va tester ça, c'est parti. Je me mets à fond. Je suis à fond. Bon, le son est propre, c'est pas criard. Le son n'est pas très fort, mais il est propre. Je préfère un son pas trop fort et propre plutôt qu'un son où il donne les watts à fond et puis en fait les trucs ça grésille dans tous les sens quoi, tu vois. Là ce n'est pas le cas, on a un son qui est franchement très propre. Le temps que ça démarre, ça me permet de vous parler un petit peu du Wi-Fi. Donc bien sûr, on est sur une connexion 2,4 et 5 GHz. Pas de Wi-Fi 6 pour cette T10 Pro. Ça me permet aussi de vous parler un petit peu plus de l'écran, notamment du taux de rafraîchissement dont je n'ai pas trouvé l'information. Puisque pour vous parler de la tablette, moi je me fie à ce qui est marqué sur le site officiel. Et sur le site officiel, il n'y a absolument aucune information en ce qui concerne le taux de rafraîchissement de l'écran. Donc c'est un petit peu dommage. Hein. D'ailleurs, je pense qu'ils se sont un petit peu mélangés les pinceaux parce que sur le site officiel, également, il y a marqué que la tablette fait 5680 grammes. Donc soit une belle haltère pour faire de la musculation, pourquoi pas. Voilà, à mon avis, il y a quelques erreurs ici et là. Notamment au niveau de la charge, où moi ici, j'ai un chargeur de 24 watts. Hein. C'est marqué clairement, vous ne pouvez pas le rater. Et sur le site officiel, même chez les autres, il y a marqué qu'on est sur une charge de 18 watts. Alors après, c'est possible que le chargeur fasse 24 watts, mais que la tablette ne prenne en charge que 18. Alors déjà, au niveau de la fluidité, là, il n'y a pas très longtemps, on a testé le Doji V31 GT, qui
qui était tout de même beaucoup plus fluide que cette T10 Pro. Hein. Voilà. Bon, après, on n'est pas sur le même processeur, on n'est pas sur le même GPU. Donc, allez, on va sauter ici. Là, on est tout de même moins fluide que sur le Doji V31 GT. Bon, ça reste jouable. Hein. Je pense qu'on est aux alentours des 30 FPS, mais pas plus. Voilà, je dirais entre 25 et 30 FPS. Sachant que sur le V31, on était plutôt aux alentours des 40 voire 50 FPS. Donc là, on sent clairement qu'il y a un petit peu plus de mal au niveau de la partie gaming. C'est un petit peu moins costaud. Ça reste fluide, hein, mais clairement, ouais, on est entre 25 et 30 images par seconde, pas plus. Ce qui reste tout de même correct pour jouer, mais voilà, on va pas faire de très gros jeux avec cette tablette comparé au V31 GT. Encore une fois, voilà, je le compare à celui-ci parce que bah, c'est le dernier téléphone que j'ai testé de chez Doji et franchement, il est très bien. Putain, ça y est, je suis déjà en train de tirer partout les mecs. C'est vraiment histoire de vous tester la fluidité de la machine. Donc PUBG, c'est à la limite. Voilà, c'est jouable. Hein. Franchement, c'est jouable, ça marche. Mais c'est limite limite. Avec la tablette, un Asphalt sera par exemple beaucoup plus approprié. Des jeux un peu moins gourmands. Je vous propose maintenant de faire un petit tour des objectifs. Ici, il y en a trois. Deux à l'arrière, un à l'avant. Donc ici, on est sur l'objectif principal à l'arrière de 13 mégapixels. Et je suis sur la qualité maximum. Alors sur la fiche technique, il nous annonce 2K 30 FPS. J'ai été dans les options. La qualité la plus haute que j'ai trouvée, c'est 1080 30 FPS. Voilà, c'est du Full HD. J'ai pas vu de 2K. On est en Full HD 30 FPS. Et bon, c'est, vous le voyez les mecs. Hein. C'est pas très fluide. Hein. Vraiment. Hein. Là, il y a un truc. Hein. Donc voilà, c'est pas ouf au niveau de la caméra. Je me suis mis bien sûr en qualité tout au maximum hein, les mecs. Hein. Donc voilà, là vraiment, vous avez la qualité d'image, je peux pas faire mieux. Il y a un espèce de tremblement, alors je ne sais pas s'il va se voir dans la vidéo. En tout cas, moi je le vois sur la tablette à chaque fois que je tourne là. Je vais essayer de relancer la vidéo pour voir. J'ai relancé la vidéo, donc on est toujours en qualité maximum. Hein. Full HD 30 FPS. Bah, au niveau du tremblement, je sais pas comment ça va rendre sur la vidéo, mais là ici, ça tremble beaucoup les mecs. Hein. C'est pas très très fluide. Donc c'est vraiment pas ouf au niveau de la caméra. C'est pas la caméra que vous allez prendre pour aller faire des vidéos et des photos de vacances. Hein. Des photos à la rigueur, pourquoi pas, on va voir ça dans quelques instants. Donc là, on est sur la caméra arrière, caméra principale. Bon allez, test du focus avec les figurines. Ça focus. Ça va, c'est pas mal. Il n'y a pas un gros piqué derrière la caméra, les mecs. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas un beau flou d'arrière-plan. On en a un quand même. Il y a un flou en arrière-plan. Mais bon, il n'est pas significatif. Hein. C'est vrai qu'au niveau de la caméra, cette Doji T10 Pro, c'est pas le point fort, les mecs. Hein. Test cette fois-ci la caméra selfie qui fait quant à elle 8 mégapixels. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit, mais la caméra arrière fait 13 mégapixels. Donc, la caméra selfie qui m'a l'air plus fluide que la caméra arrière. Alors, je sais pas si c'est une impression ou quoi. Hein. Comme d'habitude, je suis en qualité maximum pour vous proposer le test, les mecs. Et donc, voilà. Je ne sais pas du tout ce que ça donne au niveau du micro. J'espère que j'ai pas mes gros doigts dessus. Donc, voilà. Vous me direz ce que ça donne. Bon, caméra selfie. Ça va, c'est propre, voilà, c'est correct pour faire des appels visio, des messengers, des trucs comme ça. Voilà, encore une fois, vous n'allez pas faire des belles vidéos de vacances, hein. Mais c'est correct pour une tablette. Je vous passerai quelques clichés pendant que je vous parle de la partie photo qui s'en sort tout de même mieux que la partie vidéo. En photo, on a plutôt des beaux flous en arrière-plan, même si, encore une fois, il n'y a rien de transcendant. Il est évident que ce n'est pas dans ce domaine-là que la tablette va briller. Après, ça fait tout de même de belles photos. Vous ne ferez pas de la photo professionnelle avec cette tablette, c'est clair. Mais ça fait le taf. Conclusion sur cette Doji T10 Pro. Alors, on a testé la Doji T10. On a maintenant testé la Doji T10 Pro. Ma conclusion, c'est que si vous avez déjà une Doji T10, il est inutile d'acheter une Doji T10 Pro. Maintenant, si vous n'en avez pas et que vous comptiez jeter votre dévolu sur l'une ou sur l'autre, autant partir sur la Pro. Vous allez doubler le stockage, vous allez avoir un petit peu plus de batterie et quelques améliorations mineures par rapport à l'écran. Donc voilà les galifiés, en tout cas, si cette Doji T10 Pro vous intéresse, comme d'hab, je vous mets un lien dans la description. Vous allez checker ça. Il y aura certainement des codes promo comme d'hab. Moi, en tout cas, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Salut !